moi, je représente le groupe La Poste sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je travaille avec tout l'écosystème, que ce soit les institutionnels, que ce soit le monde économique, et évidemment nos filiales et toutes les parties prenantes au sein du groupe, donc sur plein de sujets. Alors, l'effectif de La Poste sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 22 000 personnes. Au national, c'est plus de 240 000 personnes et on peut dire qu'on a plus de 100 filiales. On a des candidatures spontanées, mais on va aussi les chercher, vous avez raison. Alors, avec les moyens actuels, par les réseaux sociaux, par Pôle emploi ou par les missions locales. On travaille beaucoup avec des missions locales, avec des associations pour pouvoir capter cette jeunesse. Moi, je trouve qu'il y a un dispositif qui est super. Ça s'appelle l'Envol. Ça fait 10 ans que ce dispositif existe. C'est, par exemple, c'est à la Banque Postale. Et l'Envol, en 10 ans, a accompagné plus de 900 jeunes. Ce sont des jeunes qui souvent viennent de quartiers défavorisés. Et il y a 900 jeunes qui sont accompagnés par 900 postiers qui vont au fil et à mesure de leurs études leur donner des conseils, les soutenir, leur ouvrir certaines portes. Et finalement, ces jeunes-là, ils font souvent des carrières d'excellence. On a évidemment un gros dispositif au niveau de l'apprentissage. Par exemple, chaque année en Auvergne-Rhône-Alpes, on accueille 500 stagiaires, 500 apprentis. Et ça, ça fait les postiers de demain. Aujourd'hui, on CDIse et je dirais que quasiment tous les apprentis qui rentrent, dont on est satisfait, ont souvent un CDI à la clé. On n'est pas une entreprise qui est juste là pour bénéficier d'un dispositif. On est là vraiment pour accompagner les jeunes et que ce soit chez nous, c'est mieux, mais en tout cas pour leur donner une vraie formation de qualité. Avec un point d'exclamation, mais alors sans hésitation. Il n'y a qu'à voir les jeunes présents aujourd'hui, leur enthousiasme, leurs questions, leur envie d'aller vers l'entreprise. Et moi, quand je vois des jeunes dans le stand avec des lunettes d'immersion virtuelle, qui visitent des plateformes et qui s'intéressent à La Poste, je me dis, c'est un grand point d'exclamation parce que ça marche, c'est sûr.